Oui, c'est ça fait du bien pour l'équipe, pour le moral et pour le classement aussi. Parce que voilà, on a quand même fait une belle remontée au classement grâce à cette victoire. Et après la lourde défaite à domicile contre Valence, il fallait se reprendre directement en gagnant Strasbourg. Et on l'a fait, et on a bien géré le match. Et donc ça c'est un bon point. Non, je ne pense pas qu'il y ait plus de pression que ça à domicile. Au contraire, ça devrait être l'inverse, plus de pression pour l'adversaire. À vrai dire, on n'explique pas trop ces contre-performances juste à domicile et pas à l'extérieur. Mais voilà, maintenant, il faut tout faire pour inverser la tendance et gagner autant à l'extérieur qu'à domicile. Parce que voilà, nos supporters nous suivent et sont toujours là, sont toujours présents au Sporting. Donc il faut inverser la tendance à domicile et gagner dès vendredi contre Nancy. Ça fera du bien au classement, aux supporters, à l'équipe, à tout le monde, donc c'est important. Mais déjà, premièrement, l'impact défensif. Hein. Quand on prend plus de 30 buts contre Valence, qui est avant-dernière au classement, voilà, on ne peut pas gagner le match, c'est pas possible. Donc relancer l'impact défensif, comme ce qu'on a fait à Strasbourg. Pardon. À Strasbourg, on n'a pris que 24 buts. Donc je pense que si on réédite cette performance de prendre seulement 24 buts, avec l'attaque qu'on a depuis le début du championnat, je pense qu'on devrait pouvoir gagner cette équipe de Nancy. Donc d'abord s'appuyer sur une grosse défense, voilà, comme on l'a fait à Strasbourg, pour pouvoir gagner ce match de vendredi. C'est un objectif pointé, comme tu dis, mais surtout se reprendre parce que voilà, après ce qu'on a fait contre Valence, qui n'était pas digne de l'équipe et pas digne voilà, de proposer un match pareil à domicile face à nos supporters. Donc on doit se reprendre déjà pour nos supporters et pour gagner entre guillemets leur confiance et pour montrer qu'on est toujours là à domicile et que venir gagner à Billère, ça va pas être facile. Donc voilà, il faut se reprendre à domicile, c'est le dernier match de l'année à domicile. Donc il faut que les supporters gardent une bonne note avant de partir aux vacances de Noël pour pouvoir avoir leur soutien encore dans la deuxième partie de saison. Et ça va être important d'avoir leur soutien en deuxième partie de saison.